Qui a été créé autour de cette Coupe Lambotte, un tournoi international de très haut niveau avec les équipes de Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Kosovo et d'Italie. Les équipes qui jouent toutes les meilleurs championnats de leur pays, ainsi que première place. Et bien évidemment, le 6 mai de Suisse, vous pouvez voir un changement en blanc. Et en plus, je remercie le comité d'organisation et tous les bénévoles qui tournent autour. Ils se sont donnés corps et âme ces derniers mois, ces dernières semaines, mais encore plus ces derniers jours. Pour tout mettre en place et pour que ce tournoi soit une réussite, et c'est une réussite. Merci aussi aux très précieux partenaires et sponsors que sont la ville d'Yverdon-les-Bains, le fonds du sport Vaudois, notre Romande, ADOV, le développement du Nord Vaudois, Swiss Basketball, la Fédération Suisse de basket. Et son prochain grand événement, son premier grand événement de la saison 2023-2024, mettez-le dans vos agendas. Il aura lieu le 7 octobre à Fribourg, avec Super Cup, les deux super finales féminines à l'équipe Fribourg en basket et le côté masculin. Le grand duel entre Fribourg Olympique et les Tessinois de Sam Massano. Merci aux grands partenaires de la Coupe, l'Envote La Fabrique. Merci à tous les partenaires, le grand hôtel Centre Thermal de la Vanda, le Centre Santé de la Fabrique, Classe Macon, Priority, Yolkou, Fusion Tennis, 1959 Advisors, Edwin Trotter, Shop Fab Barcelone, la Carrosserie Maestro et le partenaire média La Région, ainsi que tous les ballons matchs que nous avons eu depuis.
mesdames et messieurs, nous allons vous présenter les équipes qui vont disputer l'édition 2023 de la finale de l'Olympia de Melbourne Cup. Et voilà, Christian nous a présenté les 5 joueurs qui vont être en main de chaque côté. He's so sad when he knows when he goes back to this mobile home that's
sur le BTS Legend Bar Stock Group. Et aussi, bien qu'à la présence, l'honneur de Guy Landotte, le fils de Pierre Landotte, qui est parmi nous, fondateur de l'Easy Basket en 1929. Le reste, c'est le prix bourgeois. Et tout de suite, c'est les étoiles. Au moins, vous allez de bonne. C'est parti pour cette grande finale. Et
contre-offensive sifflée au numéro 18 du football olympique chef Sané. Première faute personnelle, première faute d'équipe. Olympique, le capitaine Arnaud Couture, première faute personnelle, deuxième faute d'équipe. Le lancer pour le numéro 11, Brian Fox. Le bon à Alfred.
J'ai du 4, Will Watson, du 43, Capitaine Fuchs, Christian Saint-Felda, et le 19, qui partait du côté de Boisville. C'est son numéro 11, Devon Brian Fox. C'est sa première faute personnelle, la troisième faute d'équipe. Et vous lancez au numéro 10, Eric qui ne perdit. Bonne.
Merci. Madame qui va revenir à Télécom Bologne. Moment totalement. Elle est en train de jouer du blues à Florian Thor. C'est sa deuxième faute personnelle, la quatrième faute de l'équipe du Fribourg Olympique. On va retrouver le Roberto Bovac, avec le Fribourg Bourgeois, et un lancer bonus, Steve Papé, pour Bologne. De lancer Eric Notek. Thank you.
une personne. L'avantage, le ballon pour le début du deuxième quart. Petit point de retour, vous avez pu voir un coup de tête, ça avait un bruit, une première faute personnelle, première faute d'équipe.
Thank you.
Boys de l'Eurosport, 25 ans maintenant. Qualifié droit à Pete Dillon, tout comme sa deuxième faute personnelle. On va prendre Mike Fox sur la ligne de lancer pour deux tentatives. Du capitaine de l'Union, Arnaud Couture, sur le bilan du commun. Yeah!
aussi grand dans le thème, je suis bon à tout ça, mais on veut une deuxième chose personnelle. On va changer de chic, ça, du côté du Fibre à l'équipe, et de lancer, comme et son nom du jeu, Phil Papo. De bonne utile à tout. Première faute personnelle. De lancer dans l'intonable et avec une tapouille. Et en tant que numéro 17, Aloïs Lerol, pour le football olympique et Aloïs Ayerbouz. Deuxième faute personnelle. De lancer, c'est Yann Plat. Le changement du côté de Bonne, avec un rejet du numéro 2, Sam Richelieu. Avec le rejet de Salia Bruna et de Roberto Colas, avec le petit bonjour.
Western Sunfighter. On est numéro 22, la demande Nora Kirkwood, troisième faute personnelle, deuxième faute d'équipe. Deuxième flag pour le tribunal olympique, pour le bonne Telkom. Et la balle de côté pour le tribunal olympique. Avec notre jeu. Première faute personnelle, première faute d'équipe.
l'album Anna Totalement, avec un jeu de ça, avec un arrêt de Edwin Watson. Changement du côté du football olympique aussi, avec le retour du numéro 5, Dylan Ducommet, qui va nous aider avec lui. Personnel, la quatrième fois d'équipe du Fribourg Olympique. Le lancé sur Bot et son numéro 5, Harald Frey.
On est pas à un coup. Elle marche toujours aussi passionnante entre Figueroa Olympique et Telecom Basketball. Quatre petits points d'écart entre les équipes. Encore 11 ou 42 secondes dans ce match. I'm gonna go get some more.
fare tutto con me. Thank you.
Sortie numéro 5 à Alfred. Deuxième faute personnelle. Première faute d'équipe. De lancer Eric Novic. Troisième faute personnelle, deuxième faute d'équipe. Les Allemands favoris, dans cette finale.
Oh!
Thank you.
quand il en avait 43, le capitaine Christian Seinfelder, c'est sa troisième faute personnelle, la quatrième faute de l'équipe de Bonne. Pour King Paul pour Bonne. Et de lancer Roberto Kovacs. Et un point pour Roberto Kovacs. Cette offensive citée au numéro 22 de Bonne, Kirkwood, c'est sa quatrième faute personnelle. Deuxième faute personnelle. On va retrouver un nom. Roberto Kovacs sur la ligne des lancers francs. De suite, pour lui. Thank you.
Petit numéro 1 de Gwen, Seyun Flank. Première faute personnelle. Changer de phrase. Léon Bolic du côté de Gwen. Et de lancer Xavier Green. Bien sûr, les finalistes de Fribourg, c'était une belle surprise de nous avoir fait ces résultats. Chapeau, bravo. Vielleicht ein bisschen auf Deutsch. Ich weiß, meistens höre ich es auch auf Englisch, aber vielen Dank, dass ihr dabei wart. Für uns eine große, große Ehre, dass ihr auch das gewonnen habt, auch den dritten Werfe-Contest. Und dass ihr mitgespielt habt, super, super Partien. Ich hoffe, als Gewinner, ihr kommt nächstes Jahr wieder zurück. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Sabo, du musst den Job noch weitermachen. Und für diese Folge. Ja, ich würde saluer les invités d'honneur qu'on a eu la chance d'avoir aujourd'hui. On a eu la visite de la présidente du Conseil d'État vaudois, responsable des sports, Madame Christelle Lisier. On peut l'applaudir pour sa présence. On a également le syndic de la ville d'Yverdon, Pierre Dessemontet, qui est resté en VIP. Merci pour votre présence. Président du domaine du sport, on a le municipal responsable des sports, François Armada. Merci d'être là. On a eu également la visite de Michel Berthet, président de l'association vaudoise de basketball. Merci. On a eu la visite surprise, mais je vois qu'il est déjà plus là, du président de la Fédération Suisse de basket. Jean-Carlo Sergi. Et on a des personnalités très importantes.
Le tournoi aujourd'hui, comme vous le voyez, comme vous le connaissez, s'appelle la Coupe Landolt. Landolt, c'était le fondateur de notre club phare ici, l'USI Basket. On a la chance d'avoir dans les tribunes Guy Landolt, le fils de Pierre Landolt, le fondateur du club l'USI, et auquel on a eu l'honneur de donner le nom à ce tournoi. Merci Guy, on peut applaudir. Et ce tournoi n'existerait pas si on n'avait pas André Mercier qui a créé ce tournoi. L'année prochaine, on va fêter le 50e anniversaire. C'est pour ça, dans ce tournoi, il y a un groupe qui s'appelle Mercier, l'autre groupe s'appelle Tissière, grâce à Michel Tissière qui a œuvré énormément pour le basket à Yverdon. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. On essaye de continuer le chemin et on le fait avec plaisir. Merci aujourd'hui que vous soyez venus nombreux voir cette partie. Pour nous, c'est important qu'on remplisse cette magnifique salle qu'on nous met à disposition. Vous voyez, on l'a habillé pour un tournoi magnifique, relevé. On a quand même le champion d'Europe ici. Je pense qu'on peut applaudir ça. C'est un beau résultat. Je tiens à remercier le comité d'organisation qui est très précieux à la réalisation d'un événement comme celui-ci. Ouais, on va les nommer. On a Vincent, Tony, Maya, Joël, Pascal, Nathalie. En tout cas, je n'ai personne. Ouais. Yves, notre photographe. Il est là. Et Dwayne, moi je crois qu'on a tout bon. Voilà, encore merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à M. François Armada, responsable des sports de la ville d'Hierro. Oui, merci. Bonsoir. Madame la présidente du Conseil d'État, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs, toutes les fonctions, chers amis sportifs, chers publics, je suis heureux de vous transmettre les salutations de la municipalité d'Hierro-les-Bains. 10 jours après la Coupe des Bains de hockey sur glace et à peine une semaine avant que notre ville n'accueille l'étape inaugurale du Tour de Romandie féminin, nous voilà réunis ici pour célébrer un nouvel événement sportif avec une résonance internationale, à savoir la Landolt Cup. Vous vous doutez à quel point je suis ravi en tant que municipal en charge des sports et de l'éducation physique du dynamisme avec lequel les acteurs sportifs hiverdonnois font rayonner notre région. Notre service des sports et de l'activité physique n'est d'ailleurs jamais loin lorsqu'il s'agit de leur donner un coup de main, et je les en remercie. Je veux en particulier profiter de ce moment pour féliciter et dire mon soutien au comité d'organisation qui organise l'événement du jour, tout comme la Coupe Landolt U12 qui s'est déroulée le 27 et 28 mai dernier. On peut aussi parler de l'USI. L'USI Basket donc, s'est professionnalisé de manière remarquable et est à n'en point douter une des structures phares de notre région, dans la catégorie des clubs semi-professionnels. Je souhaite de tout cœur qu'il puisse poursuivre son développement et ainsi atteindre à moyen terme son objectif de rejoindre le top niveau. Quant à la Landolt Cup, elle n'est pas un tournoi quelconque. C'est d'abord une aventure historique, débutée en 1974, et qui s'est internationalisée à partir de 2018. Cette édition qui a accueilli pour la première fois 5 équipes étrangères marque un palier dans son positionnement en tant que tournoi d'importance, tant national, puisqu'il n'y a pas de pareil sur le sol athlétique, qu'international avec le niveau des équipes représentées. C'est aussi un événement des plus importants pour valoriser notre magnifique salle des îles, dont les terrains extérieurs accueillent le projet Spark, un projet de lutte contre la sédentarité des jeunes qui se déroulera entre le 13 septembre et le 21 octobre prochain. La complémentarité d'un tel projet avec ce bel événement qui est la Landolt Cup dit toute l'ambition de la politique sportive hiverdonnoise, une politique de la santé et du bien-vivre qui sait se marier avec l'encouragement du sport d'élite.
Merci aux organisateurs du tournoi et à toutes celles et ceux qui ont participé à sa réussite. Je suis heureux et fier d'avoir pu partager ce grand moment de sport avec vous. Merci. Et je passe la parole à Mme Vizier. Merci beaucoup, messieurs les présidents, monsieur le syndic, monsieur le municipal, chers amis du basket. À mon tour de vous dire que je suis ravie d'être ici et de vous apporter les salutations du Conseil d'État. C'est une joie d'être avec vous ici à Yverdon, qui est effectivement une grande ville de sport, monsieur le municipal. Bravo aux vainqueurs, bravo à toutes les équipes, à tous les joueurs, évidemment avec un clin d'œil particulier pour Fribourg qui vient ici en voisin, en terre vaudoise. Merci beaucoup pour ce bon moment de sport. C'est un cadeau que de voir se mesurer de telles équipes ici à Yverdon. C'est donc aussi une responsabilité que de clore un tel événement, un tournoi qui effectivement souffle cette année ses 49 bougies. 1974, ça paraît si loin et pourtant, c'est d'ailleurs mon année de naissance, donc c'est évidemment une excellente année, la meilleure. Et donc, on est ici pour un tournoi qui a su rebondir pour aller plus haut, qui a passé au travers des années, au travers d'une pandémie. Et aujourd'hui, on l'a vu, c'est une réussite, un rendez-vous incontournable. La preuve, mesdames et messieurs, que la passion, elle porte, que l'enthousiasme soulève et que le travail d'équipe fédère. Vous avez à cœur d'offrir ce qu'il y a de mieux à l'ensemble de la population. Donner pour recevoir, c'est sans doute une des clés du sport. C'est une des valeurs qui m'est chère en tant que conseillère d'État en charge du sport, parce que le sport, c'est un des ciments de notre société et le sport, il crée des émotions à nous autres pareil. Donc merci beaucoup de faire rayonner le basket, de faire rayonner le canton de Vaud, de faire rayonner Yverdon. Et puis on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup. Vive le basket et vive la Coupe Vaud. Merci. Merci. Madame Christelle Lisier, présidente du Conseil de Vaud. Et nous allons passer directement à la première cérémonie, la cérémonie de MVP. Le MVP cérémonie. Et pour cela, je demande à monsieur François Armada, municipal des sports de la ville de Yverdon-les-Bains, de me rejoindre au centre du terrain. Le MVP de ce match, le MVP of the game, comes from Team Ben and wears number 13, Watson. À la remise de médailles du finaliste. Finaliste de la Coupe Landotte 2023, la meilleure équipe de Suisse de ces dernières années. Félicitations à Fribourg Olympique! L'organisation de la Coupe Landotte, c'est en 1974. Il a passé plus de 10 ans en tant que président du Fribourg Basket. Il a œuvré corps et âme pour le basket amateur à Yverdon-les-Bains. Et aujourd'hui, 49 ans plus tard, après la création de cette Coupe Landotte, nous avons l'honneur de l'avoir parmi nous. Il remet des médailles aux finalistes de ce tournoi international. Numéro 18, Texané, le numéro 5 qui reçoit sa médaille. Super match
du jeune Dylan Dicono. Roberto Kovacsen. Kylian Martin. Et le joueur numéro 15, l'Américain, une journée particulière pour lui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Peu, comment le victime, Xavier Bouy, vous me laissez. D'aller rapide, vous le faites, Gino. Et le capitaine Armand Couture avec le plateau. Le finaliste est la photo d'équipe. Avant de passer. Et on va parler du finaliste du Bourg Olympique. Et maintenant, nous passons à la remise de la coupe et d'abord une médaille pour le grand gagnant de cette édition 2023 de la Lambda Cup. Merci à vous de vous parler. Et maintenant, the big winner of this tournament, a big thank you for coming and congratulations to Telecom Basket Bonn. La vie de mise de la présidente du conseil de droit, madame Christelle Lisieux. Et une valeur remise par monsieur Michel Tissière, sur son mot. Formateur d'exception par le jour. Pour que vous pouvez affirmer de nombreux joueurs professionnels, comme par exemple les très connus, la fratrie 800, qui sont passés absolument, notamment étant le notre. Merci à tous et n'hésitez pas en partant, hein, si vous partez déjà, un petit tour de la bulette. On m'a dit que le très grand acteur de sandwich était à moitié prix, tout doit partir. Vous soutiendrez aussi de par là le magnifique comité d'organisation qui fait ça purement bénévolement et se donne corps et âmes pour pouvoir faire vivre ce tournoi de basket international à l'Inverno. La médaille au numéro 1, Salon Fly, l'Américain. Léon Bourich, et son numéro 13.
Bénédict Kurovic, je suis numéro 44. Félicitations. Florian Koch, Javier Dion. Vainqueur aussi du concours à 3 points tout à l'heure, Florian Koch, winner of the 3 points contest earlier today. Et tout le staff aussi qui est venu. Et je vous rappelle, Dubourg, jouer ce soir contre ni plus ni moins que les champions d'Europe de l'année dernière, gagnants de la FIBA Champions League, rien que ça. Et un grand test de Fribourg qui fin septembre aura son premier match dans le cadre de cette FIBA Champions League. Eh bien, il vient de jouer contre les champions de l'année passée. Et ce qu'ils ont montré en l'absence aussi d'un nouveau joueur et de l'équipe, c'est qu'on peut compter sur Fribourg la saison prochaine. Et je vous rappelle, notez le bien notre agenda. Si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, vous ne devez pas manquer le 7 octobre à Saint-Léonard, la Halle à Saint-Léonard à Fribourg, la Super Cup. Côté féminin, avec Fribourg, par Lyon, face au Lyon basket féminin. Côté masculin, le grand duel de ces derniers temps. C'est reparti pour un tour Fribourg Olympique face au SL Massagno. Et la photo. Et les vainqueurs, les winners. Congratulations to Telecom Basket Ben. Merci à tous les deux. Thank you very much. Et la photo souvenir. Les arguments. Et notez bien dans nos agendas le 4 et 7 septembre 2024, les 50 ans de la Coupe Norlot. Super anniversaire l'année prochaine.